Munition en vue. T'es pas obligé de gueuler. Et mes les saucisses, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une arme légendaire. Et aujourd'hui, on va parler du Magnum Gunner. Ouais, j'ai pris l'accent anglais parce que c'est Gunner. Alors, vous ne savez sûrement pas à quoi ressemble cette arme, ni à quoi elle sert. Enfin, si, vous savez à quoi elle sert à tuer. Mais vous allez voir qu'elle va vous mettre chaud au cœur dès que vous l'aurez entre vos mains. Donc, avant que je parte la chercher, je vais quand même vous montrer où est-ce que c'est. Donc, nous sommes à côté de la ferme des Finch, hein, de l'autre côté de l'eau, ici, au petit cul-de-sac. Et par rapport à notre abri 111, qui est ici en haut à gauche, eh ben, nous nous trouvons juste là, voilà. Donc c'est assez simple, hein. Par contre, les personnes qui sont autour de cet endroit sont assez vilaines, donc faites gaffe à vos fesses. Alors, pour trouver ce nouveau magnum, il va falloir descendre ici dans la petite station d'épuration. Donc vous voyez, elle est juste à côté de l'eau. On passe par ici, il va y avoir une petite porte ici. Vous rentrez sans pression aucune. Arrivé à l'intérieur, bah vous descendez les escaliers et là vous allez tomber nez à nez avec une autre porte qui est inaccessible. Ah, c'est fichu. Ah oui, c'est fichu. Eh bien non, pas vraiment, parce que à côté de cette porte, il y a ce petit tableau, on va dire, et vous voyez qu'il y a 4 boutons. Ces 4 boutons vont déclencher des numéros. Donc si par exemple j'appuie sur le premier, vous allez voir qu'il y a le numéro 1 qui s'affiche. Si j'appuie une deuxième fois, ça va être le numéro 2 et ainsi de suite. Alors vous allez vite comprendre que c'est un code secret qui va permettre d'ouvrir la porte. Et où est-ce qu'il est ce code secret? Eh bien, il est juste là. Donc c'est 0451. Sauf que, eh bien, vous allez voir qu'on n'a pas de 0 malheureusement. Alors comment est-ce qu'on va faire, vous allez me dire? Eh bien, on va tout simplement utiliser le chiffre 10. Et oui, parce que 10 c'est 0 pour eux. Donc ça va faire 10, j'ai déjà oublié. Maintenant 4 5 1. Donc ici je rentre le 4. Hop, le 5. Et le numéro complémentaire, le numéro 1. Et là, magie, la porte s'ouvre. Alors à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a un petit cadavre, tout ce qu'il y a de plus sympa. Mais il y a surtout le Gunner. Donc je le prends. Et c'est un magnum qui permet d'enflammer les ennemis. C'est juste énorme. Et en plus, il a un super viseur. Vous voyez qu'il fait 67 de dégâts. Il a une bonne cadence de tir. Enfin non, pas une bonne cadence de tir justement. J'allais me tromper. La portée est plutôt banale, on va dire. Et la précision, eh bien, est augmentée grâce à ce laser. Donc on va aller voir vite fait si on peut l'améliorer ou pas. Et puis après, on ira le tester. Nous voici donc sur la table de craft et on va voir ce qu'on peut améliorer sur ce fameux gunner. Donc d'abord nous avons la culasse standard, donc ça c'est celle qui est de base dessus. On peut mettre la culasse renforcée, ça va nous faire plus de dégâts mais un poids qui va être plus élevé. La culasse puissante va encore augmenter les dégâts et la culasse avancée va juste multiplier la chose par 10 000. Alors ensuite nous avons le canon extra long, donc c'est le meilleur, hein, autant pas le changer, hein. Ensuite la poignée, bah la poignée c'est la poignée de confort, donc pareil, laissons-la comme ça. Et enfin le viseur, donc nous avons un viseur laser. On pourrait mettre la lunette courte pour avoir plus de portée, mais je pense que déjà le viseur laser c'est déjà pas mal. Sur ce, bah nous on va aller le tester vite fait et vous allez vite fait voir que c'est plutôt badass comme arme. Eh bien les amis, vous avez vu que ce magnum enflammait pas mal les foules. Sur ce, bah moi je vais déjà vous laisser ici. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo comme à chaque fois. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous lâchiez un max de pouces bleus sur cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir et n'oubliez pas, enjoy. Damn. Yeah.